acclamation à l'Éternel avec un cri de joie derrière. Comment? Comment pousser? Manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Seigneur Papa. Tous ceux qui n'ont jamais eu cette connexion avec toi, qui puissent la voir. Tous ceux qui n'ont pas eu depuis longtemps, qui puissent avoir cette connexion. Ravive la flamme, Seigneur Dieu, qui brûle en chaque personne, Seigneur Dieu, roi des rois. Bénis chaque personne ici présente, que chaque cœur puisse être touché, Seigneur. Dépouille-nous de la chair et du sang, qu'on puisse t'offrir une adoration et une louange, Seigneur Dieu, du fond de notre cœur, Seigneur Dieu. Une adoration et une louange qui est sincère, qui puisse monter vers ton trône, Seigneur Papa. Et qu'en retour, tu puisses nous bénir, Seigneur Dieu, que la prière puisse monter et que ta grâce puisse descendre sur nos Père éternel. Et qu'on puisse sortir d'ici changé, Seigneur Dieu, à jamais. Changé à jamais. Changé à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Je la chantais, mais j'ai comme réalisé que les paroles sont quelque chose. Ça dit, les Jésus mourir sous calvaire, les Christ mourir, c'était pour moi. Mais je savais que Jésus était mort pour moi, mais je sais pas, à un moment donné, il y a juste eu un déclic qui s'est fait. J'ai vraiment réalisé que tous les coups, il y a pas pris une gifle, là, une calotte, une soufflette, puis c'est fini. Non, il a pris des coups de fouet, là, sa chair sortait de sa peau. Pourquoi? Pour moi. Moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis pour que Dieu fasse tout ça pour moi? Avant même, j'écoutais une prêche de Miles Monroe qui disait que avant même que Dieu te crée, il a déjà fait parfait. Donc tu as été prédestiné à être là. Puis il disait que parmi 499 millions de spermatozoïdes, il a dit qu'il a choisi toi. Il y en a beaucoup là. Il a choisi toi. Mais toutes les personnes ce soir qui pensent que oh, ben je suis une renard tout le monde, Dieu t'a fini avant de te commencer. C'est pour ça qu'on est là ce soir pour parler de victoire. Dieu t'a fini. Il a fini ta vie avant de commencer. Donc, cette chanson, c'est comme une reconnaissance envers Dieu. On veut lui dire, on ne sait pas c'est quoi ce prix-là, mais qu'on veut le servir sincèrement. Et c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est la seule chose en fait, qu'on puisse faire, c'est de l'adorer avec sincérité. Que oui, on va tomber, mais on sait qu'on peut s'approcher du trône de la grâce, justement, puis qu'il va nous fortifier à chaque fois qu'on pêche comme Seigneur. Je ne veux pas rester là-dedans. Mais si tu restes là-dedans, c'est sûr qu'on peut rien faire pour toi, Dieu peut rien faire pour toi. Mais on va chanter cette chanson-là vraiment de tout cœur. Les Jésus mourir au calvaire. Les Jésus mourir au calvaire. Les Christ Oh, yeah.